Dans cette vidéo, nous allons parler de l'heuristique de disponibilité. Alors, pour mémoire, l'heuristique, c'est une manière de faire des choix, des jugements de manière, pour caricaturer, raccourcie, rapide, sans avoir à peser, comme avec un algorithme, le pour, le contre et plein d'éléments. Et très souvent, pourquoi est-ce qu'on parle de l'heuristique de disponibilité? C'est que les informations qui sont le plus accessibles, le plus disponibles à notre mémoire, sont celles qui vont le plus influencer notre jugement. Je vous donne un exemple avec le choix du moyen de transport que vous allez utiliser pour aller d'un point A ou un point B. Imaginons que vous ayez récemment vu à la télé un accident d'avion dont tout le monde a parlé, un avion qui a atterri dans une rivière, par exemple, et vous aviez le choix entre l'avion et la voiture. Eh bien, en fait, cette image que vous avez eue, ou en tout cas qui vous revient facilement à l'esprit, peut influencer votre décision bien davantage que les statistiques réelles du nombre de morts par an, par avion ou par voiture. Si on regarde les statistiques, évidemment, il y a beaucoup plus de morts par accident de voiture qu'il y en a par avion. Mais le caractère un petit peu frappant de l'image de l'accident peut finalement influer sur votre jugement davantage que des chiffres. Donc, pour éviter d'être trop influencé par des heuristiques de disponibilité, il faut être capable d'aller chercher l'information plus que celle qu'on a déjà à l'esprit pour peser sans avoir une forme de biais à l'origine. En analyse de données, c'est très fréquent que vous soyez influencé de la même manière que pour les moyens de transport par le dernier article que vous ayez lu. Du coup, vous avez fait votre travail de littérature pour bien comprendre le sujet que vous êtes en train de traiter et c'est le dernier article en fait qui va le plus vous revenir en mémoire. Et imaginons que dans cet article, vous ayez des beaux graphiques qui aient été présentés et qui vous reviennent facilement à l'esprit. En fait, cette information, alors même qu'elle pourrait être finalement moins importante que des tableaux un peu lourds ou un peu complexes à lire, c'est peut-être ces informations qui vont le plus influencer votre jugement. Donc ça, si vous vous intéressez à l'analyse de données, c'est un point très important à garder à l'esprit. Est-ce que vous avez une heuristique de disponibilité qui est en train d'influencer votre manière d'interpréter les données ou votre manière de même collecter les données.